Je suis le plus grand de tous les végétaux, je suis le lien entre le ciel et la terre, et je fais l'air que vous respirez. Rien que ça, les amis, qui peut en dire autant? Je suis l'arbre, et je protège les sols de l'érosion, les hommes du soleil et du vent, fais les pluies, régule les températures, stocke du carbone, et suis un havre de biodiversité. Et bien sûr, il y a les fruits dont vous vous régalez tous. Mais avant que l'homme puisse jouir de ces fruits délicieux, il a fallu beaucoup de temps à la nature pour donner vie aux arbres. En fait, depuis l'apparition de la vie sur Terre, la forêt constitue le système à la fois le plus diversifié, le plus productif et le plus stable. C'est le chef-d'œuvre de la nature en quelque sorte, et sans les arbres, nous ne serions littéralement pas là. Mais voilà, l'homme civilisé cherche à exploiter la nature dans son seul intérêt. Il oublie souvent qu'elle est notre mère nourricière. Il est grand temps de changer d'approche. Nous vous proposons une coopération avec la nature pour cultiver ensemble le Jardin d'Éden. Aidez-nous à construire l'Arche de Néo, une pépinière conservatoire en permaculture, un îlot de sauvegarde de toutes les espèces végétales grâce auxquelles nous pourrons vivre demain dans l'abondance et dans le respect de la diversité. Nous allons dénicher pour vous les plantes qui produisent de nombreux bienfaits pour l'homme ou pour l'environnement. Nous allons multiplier ces essences remarquables dans l'Arche de Néo. Et puis nous allons replanter nos régions en recréant des paysages comestibles et abondants grâce à la permaculture. Nous aménagerons des jardins forestiers chez les particuliers, de l'agroforesterie productive et écologique pour nos agriculteurs, des espaces verts comestibles et innovants pour nos collectivités. Et bien sûr, nous transmettrons nos connaissances et nos savoir-faire en organisant des stages de découverte et des stages spécialisés. Et pour tout ça, nous avons besoin d'un terrain, d'un espace de sélection naturelle pour sélectionner et distribuer les meilleurs arbres, donc d'un plus grand terrain, d'une serre bioclimatique pour faire pousser nos petits arbres sans dépenser d'énergie, d'un bâtiment pour travailler et d'un bâtiment pour accueillir des stagiaires, de plein d'outils en tout genre, et bien sûr, des stars du projet, les arbres. Et voilà, vous savez tout. Et comme vous vous l'imaginez, nous avons besoin d'un peu de sous pour lancer ce projet à but non lucratif. Alors soutenez-nous dans cette belle aventure et tous ensemble, aidons le monde de demain à prendre racine dès aujourd'hui.